Message à tous les agents d'Overwatch. Message à tous les agents d'Overwatch. Oh, pas très naturel. Message à tous les anciens agents d'Overwatch. C'est moi, Winston. Manifestement. Il y a 30 ans, les Omniacs déclaraient la guerre. Les nations du monde étaient impuissantes, jusqu'à ce qu'elles mettent sur pied un petit groupe de héros. Overwatch vit le jour pour sauver l'humanité de la crise des Omniums. Nous sommes alors devenus les plus grands défenseurs de la paix et du progrès que l'humanité ait jamais connu. Vous avez été choisis, car vous aviez des pouvoirs et des aptitudes qui vous rendaient. Vous nous avez rejoints, car vous étiez... Mais vous savez déjà tout ça. Écoutez, l'opinion a considéré qu'il valait mieux se passer de nos services. On nous a même qualifiés de criminels. Ça a totalement pulvérisé notre famille. Mais regardez autour de vous. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Nous devons passer à l'action. Nous pouvons influer sur le cours des choses. Le monde a besoin que nous l'aidions, plus que jamais. Vous vous joignez à moi. Et la bêta d'Overwatch! Ah putain, trop bien! Cette cinématique juste magnifique! Bon, on va faire le didacticiel, allez! Brève introduction au fonctionnement de base d'Overwatch. Bonjour, soldat 76. Je suis Athéna. Je vais vous guider tout au long du programme d'entraînement au combat d'Overwatch. Mais où est-elle passée? Je savais. Ah, elle est là. Salut, ici Tracer. Commençons. Utilisez vos commandes pour suivre Tracer du regard pendant qu'elle se déplace dans la pièce. Par ici! Excellent. Maintenant, observez Tracer courir jusqu'au centre de la pièce. Me voilà! Passons en revue les bases de déplacement. Suivez Tracer pendant qu'elle se déplace dans le hangar. Continuez à suivre Tracer. Continuez à suivre Tracer. Excellent. Waouh, je suis déplacé. La plateforme est passée dans l'autre pièce. À plus. Bienvenue dans la zone de tir. Avancez jusqu'à la zone en surbrillance. Laissez-moi vous exposer les bases du combat. Votre portrait est affiché dans la partie inférieure gauche de l'écran. En effet. C'est vous, soldat 76. Ok. À côté sont indiqués vos points de vie actuels. Ouais. S'ils atteignent 0, vous mourrez. Logique. Votre arme principale est votre fusil à impulsion. Je vais vous fournir une cible. Ajustez votre tir grâce au viseur au centre de votre écran. Placez-le sur le robot d'entraînement, puis tirez. Bien joué. Vous pouvez aussi frapper une cible avec une attaque en mêlée. F, non? Approchez-vous du robot. Ah non, V. Puis frappez-le avec une attaque en mêlée. Sur le terrain, les ennemis seront peut-être plus difficiles à atteindre que cette cible. Ouais, logique. Je vais maintenant vous présenter un défi plus intéressant à relever. Comme c'est robot d'entraînement, les ennemis sont indiqués par un contour. Laissez un ennemi fera apparaître ses points de vie actuels au-dessus de sa tête. Il reste un robot. Allez, les têtes. Voilà pour les bases de votre arme. On est prêts. Nous allons maintenant passer en revue vos capacités.
Commençons avec Sprint. Veuillez entrer dans la zone en sur... Non seulement vous pouvez sprinter, mais vous pouvez également vous soigner avec Chambletti. Ah bon? Pour illustrer cela, je vais devoir vous blesser légèrement. Maintenant, déployez un Chambletti. Des soins... Ah ouais, pas con. ...que vous resterez dans la zone lumineuse. Ok, je vois. Notez que vous devrez attendre un court instant avant d'utiliser de nouveau cette capacité. Le temps de recharge est affiché sur l'icône de la capacité. Votre fusil est également équipé de roquettes LX. Ah ouais, au calme. Vous pouvez lancer une salve de roquettes dans la direction du... Oh. Quand les roquettes explosent, elles infligent des dégâts aux ennemis proches. Essayez-les sur les cibles. Tirez vos roquettes LX sur les cibles. Enfin, laissez-moi vous expliquer en quoi consiste votre capacité ultime visière tactique. Cette puissante capacité peut changer le cours d'une partie. Mais il faut d'abord la charger complètement avant de pouvoir l'utiliser. Votre niveau de charge actuel est affiché ici, en bas de votre écran. Chargez votre visière tactique en infligeant des dégâts au robot d'entraînement. La visière tactique optimise vos tirs, de sorte qu'ils ne manquent jamais leur cible. Maintenant, activez visière tactique. Dans ma ligne de mire. Ah, c'est n'importe. La dernière étape du programme d'entraînement traite de la capture d'objectifs. Votre objectif actuel est indiqué par le marqueur de direction A. L'objectif est clairement délimité par un temps que vous restez dans la zone, la capture de l'objectif progresse. Votre progression actuelle est affichée ici, sur votre écran. Lorsque des ennemis se trouvent dans la zone avec vous, la progression de la capture s'interrompt. Ouais. Vous avez réussi à capturer l'objectif. Vous pouvez maintenant faire une partie d'entraînement contre l'IA. Rejouer le didacticiel ou affronter d'autres joueurs. Non merci. La galerie des héros. Ah, Tracer. La plus forte. La meilleure. Ok. Ok. Ah non. C'est pas Ange, c'est Mercy. Non. Non, je vais mettre le jeu en anglais par contre, c'est pas possible ça. Ah, commande, jeu. Non. Social. Non. C'est ouf. Bon, alors. Donc c'est pas là-dedans. Son. C'est pas là-dedans. Bon, ça c'est les commandes, mais je regarde vite fait. Ok, on s'en fout. Je... Non. Filtre obscénité, non. Ouais, bah... Non, y'a pas... Ça craint. J'aime pas comment c'est traduit, en fait. Juste les noms des héros. Bon, bah on va jouer en partie rapide. Recherche de partie. Bienvenue à Hollywood. Ah, ça claque, j'adore ce jeu. Préparez vos défenses. Mmh.
Ouais, donc ici normalement on est censé prendre des persos par rapport à la défense. Moi j'ai pris un offenseur. Ça se fait pas, hein. Je suis d'accord. Mais oh, c'est trop cool. C'est génial. Qu'est-ce qu'on attend pour y aller? Chef, oui, chef. Compris. Les attaquants arrivent dans 30 secondes. Ah ouais, juste. Ah, ça c'est génial, le back in time. Y'a pas de dégâts de chute, très bien, c'est pour être sûr. Ouais, donc ici on a aucun, vraiment aucun défenseur. On a Widowmaker, on a deux tracers. Hanzo. Ah, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Pardon. Allez. Allez, ça va dormir. Ah, je commence à avoir du mal là. C'est pas grave, c'est pas grave. Défendez l'objectif. Non, franchement, il est vraiment excellent ce jeu. Je m'éclate. Ça fait 15 secondes que je joue. Putain, pourtant, je le kiffe. Alors. Ok, donc là j'ai ma... Allez, ça mange, c'est mort ici. Moi je suis tracer. Affirmatif.
Ah, j'aurais dû appuyer sur eux. Arrêtez le convoi, comment ça? Ah oh bah, si je l'ai eu avec la grenade, écoutez. Ah putain, nice. Je vais passer ma vie sur ce jeu. Ah merde. Oh merde. Ok. Ah, c'était un peu con ça. J'y retourne direct. Ah, presque. Oh,
Encore 60 secondes. Juste à côté. Ouais. Ah, ben voilà. Première partie d'Overwatch. Sur la bêta, et on va se laisser avec... Je vais dire Widowmaker. Widowmaker. Sexy, tout ça. Franchement, excellent. Bon, j'avoue, j'ai joué que le kill, j'ai pas vraiment compris ce que j'ai fait, mais c'est vraiment pas mal. Ouais, je vais pas faire de cut, ce sera un épisode brut. Ah, alors voilà. On va juste ouvrir ça avant de se laisser. Alors, sélectionner une récompense pour en avoir un aperçu. Chrysanthème modèle. Ah, je débloque un modèle pour perso, ok, cool. Je sais pas quoi je ça sert. Et vous êtes mort. Ok. Ça a l'air cool. Non, modèle. Great. Ouais, ils sont cool les skins comme d'habitude. Emote. Célébration. Ouais. C'est parti. Hello monsieur, la cavalerie est arrivée. Ça c'est cool. Ça c'est vraiment cool. Celui-là il est cool. Mais ce jeu est beaucoup beaucoup trop swag en vrai. Ouais, ok. Je vois comment ça marche. Ben voilà. C'était vraiment un simple gameplay, mais première partie découverte et tout. Et vraiment pas déçu. 20 sur 20. Je vais geeker ce jeu à peu près toute ma vie. Nique sa mère.